Qui sont en train d'être rénovés. Je pense au stand de tir, je pense au stade Van de Vegat avec les aménagements de la piste d'athlétisme, l'aménagement du clubhouse du club de l'UST, à tout ce qui se passe autour et à l'intérieur de la résidence des Hortensias. Alors, fort de tout cela, eh bien, nous voulons poursuivre la transformation du quartier du Pont-Neuville. Nous allons notamment y développer la police de proximité, la police municipale de proximité. C'est un secteur de Tourcoing qui a vraiment maintenant retrouvé une grande attractivité. On s'en félicite puisque ça veut dire aussi que, ce faisant, eh bien, c'est Tourcoing qui continue, à travers la dynamique de ces quartiers, à se développer, à s'améliorer. 23 jours pour nous, mais aussi pour les habitants. 23 jours pour les éclairer aussi sur les enjeux de ce scrutin. Vive le Pont-Neuville, vive Tourcoing, vive la justice et le progrès. C'est le message du Pont-Neuville pour tous les habitants de Tourcoing.